Et salut, c'est Multigamer et aujourd'hui on se retrouve non pas pour des vidéos sur Elden Ring ou d'autres jeux en fait tout simplement. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Message, enfin plutôt une vidéo assez triste pour le coup. Alors je suis pas trop du genre à faire ce type de vidéo, mais je remarque souvent sur les streams de Majack qu'on reçoit des commentaires comme quoi qu'il y a des personnes qui ont des vidéos supprimées, leurs chaînes complètement supprimées. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai vécu la même chose. Alors, ma chaîne YouTube, vous voyez, elle est ici, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que j'ai une de mes vidéos qui a été supprimée. Apparemment, ma vidéo a été considéré comme mais d'ailleurs c'est vous le voyez ici hein, c'est apparemment elle a été dangereux voilà ils ont estimé que la vidéo était dangereuse et néfaste voilà je sais pas trop comment vous alors attendez peut-être que si je vais ici peut-être qu'il le précise voilà c'est ça donc contenu dangereux et nuisible voilà. J'ai essayé d'envoyer un message. Voilà, bon, ici appel refusé, voilà, parce qu'ils m'ont refusé ma demande. Donc je leur ai envoyé un petit commentaire pour leur expliquer que voilà, c'était une vidéo tuto complètement basique, quoi, qui aide juste les joueurs, les joueuses à installer des mods. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention. C'est vrai que le créateur du mod, il a refait une nouvelle version et du coup. Le lien qu'il y avait dans cette vidéo, eh bien, le lien était plus bon parce que le mod n'existait plus sur le site. Donc je sais pas si ça vient de là, je sais pas si la personne était tellement nulle qu'il n'arrivait pas à installer un mod, du coup ça l'a tellement fait chier que. Bah, excusez-moi, là je vais pas être gentil au niveau des insultes parce que là je suis. Là vraiment, je vous dis les gars, là les gars, je suis à deux doigts de supprimer ma chaîne YouTube. Vraiment. Parce que. Je veux dire, à quel moment ma vidéo, je veux dire, c'était, ben voilà, vous l'avez ici. Alors je sais plus pour ceux qui l'ont vu, c'était le, vous savez, c'était le mode pack Merger. C'est-à-dire, je crois que ça a été quasiment un de mes premiers modes que j'ai fait sur Elden Ring sur ma chaîne, où c'était un tuto, où vous savez, c'était un mode où qui permettait de d'invoquer des boss et des ennemis aussi. Et du coup, ben, je pense qu'il y a un mec qui est passé par là, il savait pas trop comment s'y prendre. Ça l'a énervé, il a fait clic droit, signaler. Il a mis les pires trucs qu'on pouvait mettre pour supprimer une vidéo. Et boum, voilà, supprimé, quoi. Et voilà. Mais je veux dire, c'est hyper choquant, quoi. C'est hyper choquant, quoi. Je veux dire, il suffit qu'un mec passe par là. D'accord? Il se dit, bon, mais cette vidéo, j'aime pas. Je fais clic droit, je mets les pires trucs. Et après, il y a les soi-disant mecs qui examinent la vidéo. Et les mecs, en fait, je me suis rendu compte que les mecs ne se font même pas chier à regarder vraiment la vidéo. Parce que ils me disent que le mec qui a examiné la vidéo, l'a analysée, et elle m'a conclu qu'en effet, la vidéo était dangereuse et nuisible. Vous voyez? Mais à quel moment, je veux dire, ma vidéo ne fait pas appel à la guerre ou à du terrorisme ou à du sexe ou à de la drogue, enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette putain de décision de merde. Après, voilà, hein, je vais pas supprimer ma chaîne YouTube parce qu'ils m'ont supprimé une vidéo. Mais bon, là, vous voyez, ici, ils disent carrément. Une infraction commise par la chaîne, quoi. Vous voyez? Mais moi, c'est pour moi, ça me fait flipper, quoi. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Il suffit qu'un mec passe par là, il est pas content, c'est-à-dire que à lui tout seul, il peut te faire supprimer ta chaîne, quoi. Et YouTube, comme on met des petits YouTubeurs, on met pas, voilà, on met pas Squeezie, on n'est pas Cyprien, on met pas des machins qui rapportent. Des audiences ou à YouTube. Donc YouTube, en fait, ça se voit qu'ils ne se font même pas chier.
Parce qu'ils disent, oui, on fait en sorte de mettre en de garder la de faire en sorte que les spectateurs soient en sécurité. Mais nous, dans l'histoire, on n'est pas du tout en sécurité. Parce que je veux dire, autant dans ma vidéo, voilà, je veux dire, le contenu, il aurait été complètement différent. C'est-à-dire, voilà, il y aurait des meufs à poil, il y aurait plein de trucs et tout. Allez, à la rigueur, que YouTube me dise, cette vidéo, elle est dégueulasse. Ok, pas de souci. Mais je suis désolé. Je veux dire, pour ceux qui s'en souviennent, cette vidéo... Enfin, vraiment, je suis sur le... Sans péché, en plus, parce qu'elle avait atteint 3000 vues. Et bon, c'était pas... Voilà, je ne cours pas après les vues. Mais bon, je veux dire, voilà, j'ai quand même passé entre 1h30, 2h à monter la vidéo. Et YouTube se dit, ben voilà, c'est tellement nul à chier que je supprime, quoi. Ben ouais, mais non, quoi. Donc, voilà, je sais pas trop... Voilà, pour ceux qui ont vécu le même problème que moi, du coup, ben, aidez-moi. J'aimerais bien savoir réellement s'il y a vraiment un moyen de contacter YouTube ou pas. Eh ben, tant pis, si jamais je ferai différemment, mais le problème, c'est que, du coup, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Parce que, infraction commise par la chaîne, c'est un avertissement, donc ça veut dire qu'il suffit qu'il y a encore un qui passe par là, ou le même qui refait la même chose. YouTube, du coup, ben, j'ai bien compris qu'ils vont pas se faire chier avec ma chaîne parce que j'ai trop peu d'abonnés, même par rapport aux autres, on va dire. Et du coup, ça veut dire que la prochaine fois, ma chaîne sera bloquée, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire, les gars. C'est ça que ça veut dire. La prochaine fois, ma chaîne YouTube sera suspendue. Pourquoi? Tout simplement, car il y a un mec qui est passé par là, il s'est tellement pas installé un mode, c'était un gros noob, et du coup, il s'est dit, ben voilà, je vais étaler ma colère sur cette vidéo, parce que je suis une grosse merde, quoi. Voilà. Ah, putain, les gars, je vous jure, putain. Je suis désolé, je suis pas du genre à faire ce genre de vidéo, très souvent, je suis toujours un peu foufou dans mes vidéos, tout ça. Mais là, mais bon, comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai remarqué dans les streams de Mad, notre ami Mad, des fois on reçoit des commentaires de 2-3 personnes qui disent « Oui, alors j'ai vu un tel qui a vu sa chaîne sauter, ou sa chaîne suspendue, ou une vidéo supprimée. » Et là, aujourd'hui, ben, j'ai vécu la même chose, quoi. Donc, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est une sorte de piratage invisible que YouTube n'arrive pas à voir ou à détecter. Je sais pas, je comprends pas. Ou je sais pas si c'est voulu par YouTube. Vraiment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je vois clairement ma vidéo en tête. Et je ne vois à aucun moment. D'ailleurs, juste pour finir, ça, on va pas non plus, je vais pas non plus parler pendant 10 minutes parce que ça ne sert à rien. Mais je m'en souviens, la dernière fois, j'avais reçu un commentaire sur cette vidéo qui a été supprimée. C'était du genre, je n'arrive, je, ton lien pour télécharger le monde n'est plus valable. Et du coup, ben, j'ai dit, t'inquiète pas, je vais t'envoyer sa nouvelle version de son mode, parce qu'en effet, il avait fait une nouvelle version. Et du coup, je lui ai envoyé le lien. Donc, est-ce que c'est cette personne qui a fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire, parce que du coup, ben, j'ai plus accès à la vidéo. Hein. Alors, je suis le créateur de la vidéo, mais moi, je peux même plus y aller, quoi. Je veux dire, ou alors, je sais pas, ils auraient pu la foutre en privé, que tu peux plus la mettre en public, enfin... Il y a plein de trucs pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé, ou alors comme ils font quand t'as des droits d'auteur, ils mettent toujours le moment où vous avez, ils mettent toujours le moment où c'est parti en cacahuète, vous voyez. Et ils auraient pu faire ça pour montrer vraiment le pourquoi et le comment. Là, ils suppriment ma vidéo, ils disent juste que c'est dangereux et nuisible.
Voilà, c'est tout, quoi. Tu fermes ta gueule, et c'est comme ça, si t'es pas content, c'est pareil, quoi. Tu vois? Mais non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc, vraiment, les gars, pour ceux qui revendront la vidéo, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors, je vous demande pas de contacter YouTube à ma place, ça ne sert à rien. Mais juste me dire comment on peut s'y prendre. Parce que moi, j'ai déjà envoyé un message à YouTube quand ils m'ont envoyé, quand ils m'ont dit que la vidéo a été supprimée. Mais apparemment, ils l'ont réexaminé. Ils en ont conclu qu'elle était en effet dangereuse et nuisible, donc ils l'ont pas regardé, c'est clair, tu vois. Donc, s'il vous plaît, dites-moi juste qu'est-ce que je dois faire pour essayer de récupérer cette vidéo, et après, si jamais, je ferai les ajustements qu'il faut pour corriger ce qui allait pas. Bon, mais voilà, en tout cas, je vous laisse ici. En tout cas, mais oui, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas supprimé ma chaîne YouTube, je suis pas non plus con à ce point-là. Du coup, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, et j'espère que ma chaîne YouTube ne sautera pas d'ici là. Allez, sur ce, je vous laisse ici, portez-vous bien. Et surtout, RIP à cette chère vidéo. Ciao.